les yeux langoureux. Inoubliable ténor et chanteur d'opérette, Luis Mariano est décédé en 70 à Paris, à l'âge de 55 ans. Né en Espagne en 1914, il a atteint la célébrité en 45 grâce à l'opérette La Belle de Cadix, mais aussi Le Chanteur de Mexico. Mais si toutes les femmes étaient amoureuses de sa voix, il n'a jamais été marié. Pourtant, il a vécu de nombreuses histoires d'amour. Dès 16 ans, il était tombé amoureux d'une basque d'Irun. Une certaine Maria Pilar Eguiluz, fiancée à un soldat qui n'est jamais revenu du front. Mais Maria Pilar est restée célibataire jusqu'à sa mort en 2004 à l'âge de 87 ans. Deux autres femmes ont su faire flancher le cœur du ténor. Il aurait été amoureux d'une certaine Martine Carole à partir de 48, puis de Carmen Sevilla en 50. Il avait d'ailleurs demandé cette dernière en mariage, mais elle avait préféré refuser la proposition, inquiète à l'idée de devoir sacrifier sa carrière et également en raison des rumeurs qui disaient que Luis Mariano était homosexuel.